Bonjour à tous, ici c'est Sorax. Voici le premier épisode de comment qu'on joue à Minecraft. Alors c'est très simple, dans ce premier épisode, je vais vous expliquer comment acheter le jeu. Car on ne pirate pas chez Sorax, c'est interdit. Donc là vous voyez que j'ai déjà mon petit logo Minecraft. Et moi je vais vous expliquer comment on l'a, comment on peut l'avoir. Alors vous allumez internet, alors moi c'est Google Chrome, je préfère Google Chrome à Mozilla. Ensuite, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Google Chrome, vous avez vos sites favoris. Alors en l'occurrence, moi c'est YouTube, Minecraft.fr, Minefield, Google. Après le reste, ça reste assez obsolète. Vous allez sur Minecraft.net. Voilà, Minecraft.net. Vous allez tomber sur une page comme celle-ci. Alors, moi pour des raisons de facilité, je vous enlève le français, comme ça vous avez la même page que moi. Vous allez cliquer sur register, vous arriverez sur un formulaire basique que vous avez sur tous les forums. Alors je vais cliquer juste pour vous. Voilà, vous allez avoir ça. Après, quand ceci sera fait, vous allez sur connexion. Et là vous aurez juste à taper votre nom et votre mot de passe. Mais moi je vais pas le faire. Alors on va retourner à l'accueil. Voilà. Alors ensuite vous êtes redirigé vers l'accueil et vous avez une fenêtre comme celle-ci. Alors pour acheter le jeu c'est très simple. Vous allez sur Buino ou Buino en anglais, hein, en anglais très anglais. Vous arriverez sur une page comme celle-ci. Alors sauf qu'ici à la place d'avoir un petit registre pour vous enregistrer ou tout simplement vous connecter, vous aurez une petite icône de carte de crédit pour payer avec votre carte de crédit et juste en dessous un truc pour payer avec votre compte PayPal. Alors si vous utilisez souvent PayPal, je vous recommande fortement PayPal. Au niveau des cartes de crédit, sachez que c'est tout à fait sécurisé. Et vous pouvez acheter sans vraiment perdre de l'argent. Surtout que encore en ce moment ça va chez Notch, hein. Encore pour le moment, hein. Parce qu'il y a une soi-disant revente de Mojang. Personnellement j'y crois pas. On est le 1er avril, on a eu cette info aujourd'hui. Il y a de quoi se douter de quelque chose, si vous voulez mon avis. Donc le jeu ne coûte pas 20€. Alors certaines personnes vont voir le premier prix 20€. Non, il coûte 14,95€ pour le moment. Si la rumeur s'avère vraie, enfin si l'info s'avère vraie, si ce n'est pas une atox, le jeu devrait passer à 20€ d'ici la semaine prochaine, voire dans 2 semaines. Donc voilà, le jeu aurait soit 10 ans été racheté et le développement serait donc arrêté. On retourne sur la page d'accueil. Quand vous aurez fait ceci, que vous aurez en fait en quelque sorte acheté votre compte, ne pleurez pas si vous ne recevez pas le jeu au bout d'une semaine, si vous n'avez rien eu à télécharger, car le jeu peut être téléchargeable. Alors vous allez sur download et là vous avez les moyens de télécharger le jeu. Alors je sais que la plupart d'entre vous sont des possesseurs de Windows. Alors ça fonctionne avec tous les Windows. J'ai pas essayé avec un 95 parce que j'en ai pas, mais ça fonctionne avec tous les Windows si vous avez une carte graphique assez potable et des RAM qui déchirent sa maman. Non, je déconne. Les RAM 512 MO c'est super bien. Après un double core c'est bon aussi. Windows Vista fonctionne avec, donc c'est bon. Je pense que tous les Windows fonctionnent pour Minecraft. Après Mac OS X, alors je suis désolé, je n'ai pas de Mac, mais je sais qu'il faut télécharger Minecraft Zip, le décompresser, enfin voilà. Après Linux, alors ne me demandez pas. Apparemment, il faut rajouter des lignes de code pour que ça fonctionne. Et après, vous avez pour le serveur, donc le nôtre arrivera samedi ou dimanche au plus tard. Voilà, je crois que j'ai un peu expliqué comment fonctionnait
le truc pour télécharger le jeu, donc vous cliquerez sur Download et Minecraft Ex. Et si ça va pas, bah vous cliquez sur le deuxième, hein, voilà. Donc là je peux pas vous enlever le français, donc voilà, bah si ça y est je peux. Donc voilà, vidéo terminée, pour cette première vidéo je sais qu'elle est pas très longue, que la qualité risque d'être très mauvaise, mais on fait aller, ici je n'aurai pas de générique au début, de remer, puisque la vidéo est directement faite en avis, à quelqu'un fait quelques MO, enfin c'est vraiment rien, ce sera peut-être même pas de la HD, donc bah je vais quand même faire un montage, donc du coup vous aurez peut-être les remerciements, enfin je verrai très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi à quelque chose, et je vous dis à très bientôt, au revoir.